have a superpower. Who? They can run a comic strip, and now they're Beetleborgs. Beetleborgs. J'en crois pas mes oreilles. Non, mais vous entendez? Ah, ces cloches finissent par me rendre folle. À cause d'elles, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis restée éveillée jusqu'à l'aube. Ainsi que la moitié de Charterville, maman. Tout le monde ne parle plus que du retour du bossu de la maison hantée. Quel bossu de la maison hantée? Mais qui c'est? Vous voulez me faire croire que vous n'avez jamais entendu cette histoire? Eh bien... ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. On entendait toutes sortes de bruits bizarres qui provenaient de la maison de Hillhurst, exactement comme ceux que vous entendez maintenant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je ne suis pas prête de l'oublier. Un groupe de braves citoyens a pris le chemin de Hillhurst pour voir qui sonnait les cloches. Chose dans la maison les a terrifiés. Ils ont eu tellement peur que leurs cheveux sont devenus blancs en 5 secondes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? La rumeur prétend qu'un énorme monstre méchant et bossu les a attaqués, puis s'est enfui dans la forêt. Oh, ça alors? Ils ont réussi à retrouver le monstre après? Non. Mais les cloches ont cessé de sonner et on ne les a plus jamais entendues. Jusqu'à hier soir. Du calme, c'est juste le téléphone. Zoom Comics, que puis-je pour vous? Vous croyez que le monstre dont il parle est retourné à la maison de Hillhurst? J'en sais rien, mais si quelqu'un monte là-haut, peut-être. Il risque de voir Flabber. Oui, il faut le prévenir. Allez, venez. Quoi? Non mais, hey, qu'est-ce que tu racontes? Il dit que tu lui as volé ses biscuits pour chien. Oh, ça c'est la meilleure. Cette boule de pelouse me traite de voler. Non, c'est calme, sinon j'explose. S'il vous plaît, faites un effort. Allons-y. C'est lui qui a commencé. C'est lui. C'est un voleur. Silence, messieurs, on se calme. Je préfère ça. Voilà, c'est mieux. Merci. Vous tombez à pied, je vous en prie. Entrez. Et vous pouvez peut-être m'aider à régler cette petite querelle de monstre. On vous entend crier depuis la sortie de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais tout vous expliquer. Mais pour que ce soit plus clair, je vais vous chanter un rap. T'as appris le rap dans ta pyramide? Non, pas du tout. J'ai la radio dans mon sarcophage. Autrefois, j'étais un pharaon, et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis une momie. Ça fait 500 ans que mon corps est recouvert de bandelettes. Les costumes, les blousons, ça m'est interdit. Affreux, méchant, gourmand, marrant, fêlé. C'est comme ça qu'on me perçoit. Oh non, bah alors, qui a fait ça? Personne à part moi n'a le droit de toucher à cette platine, sauf si vous faites partie du numéro. J'ai regardé partout, mais tout ce que j'ai pu retrouver, c'est une boule de poil appartenant à Wolfgang. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce n'est pas une preuve, il en laisse dans toutes les pièces. Il dit que quelque chose d'étrange lui est arrivé à lui aussi hier soir. Il était assis dans le salon en train de lire un magazine et de manger des biscuits pour chien.
Il savait que la boîte était presque pleine parce qu'il venait de l'ouvrir. Et quand il a voulu y prendre un biscuit, il n'y en avait plus. Il ne sait plus quoi penser. Pour un peu, il jurerait que cette maison hantée est vraiment hantée. Une maison hantée qui est vraiment hantée, ça peut arriver? Dans cette maison, n'importe quoi peut arriver. Super détective Flammeur, je vais enquêter. Ça sent le mystère ici. Piou. Ça veut dire youpi. Tenez, 15 secondes sur l'affaire et j'ai déjà mis la main sur notre premier indice. D'où vient ce son épouvantable? Allons, on se calme, mes amis, je crois qu'il est l'heure de mettre la pression. Sur notre invité surprise. Et s'il y avait un vrai monstre bossu dans la maison? Allez, venez, suivez-moi! Très intéressant. Pas mal. Attention, Wolfgang, tu m'écrases. Amateur. Merci. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai choisi de suivre la piste des empreintes de pas. Elle s'arrête juste là. Regardez là-haut. Oh. Mais oui, mais c'est bien sûr le grenier. Mais oui. C'est la cachette idéale. Venez, on va ouvrir cette porte. Tu ne vas jamais croire ça, Typhus. C'est la panique là-haut. Ah bon? Il y a un monstre qui arrête pas de sonner des cloches à une heure. Un monstre? On le connaît? Non, on a enquêté. Ce n'est pas un maniabord. Conclusion, les Beetleborgs ne peuvent pas le renvoyer dans la bande dessinée comme les précédents. Exactement. Et puis ça nous arrange. Tu as tout compris. On doit absolument retrouver ce monstre. On fera Miami avec lui et on le ramènera ici. Il ne nous restera plus alors qu'à le convaincre de travailler pour nous. J'adore ce plan. Oh, qu'est-ce qu'on va s'amuser? Ce grenier est sombre. C'est surtout qu'il est très sale. Ah bah, il est comme ta chambre, quoi. Pardon? Bah, tu m'as très bien entendu. Donc. Hé, hey, venez voir. Regardez des cloches. Hé, hey, il y en a de toutes les sortes. On pourrait ouvrir un magasin. Oh, des cloches en argent. Ah, celles-là, elles sont en or, par contre. Regardez, ça, c'est pour les vaches, je suis sûr. Hé, hey, pas mal, hein? Oh oui, sympa. T'as raté ta vocation. Reposez ces cloches. Qui va là? Rendez-moi mes cloches. Vite! Enlui ces cloches, dépêche-toi. Mes cloches. Mes cloches. Mes pauvres petites cloches. Je te connais, tu es Queen Simodo, le célèbre bossu de Hillhurst. Je sais pas de qui vous voulez parler. Queen Simodo? Mais pas du tout. Tu es le joueur vedette de Notre-Dame, l'université. Ah, c'est lui l'ailier droit de Notre-Dame. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Je connais aucun Queen Simodo. Et c'est parce que tu t'es fracassé la tête pendant les quarts de finale mardi dernier. Je l'ai vu à la télé. Tu as rattrapé une passe. Tu courais vers le but pour marquer le point de la victoire. Ah, t'as failli arriver, seulement t'as pas vu le poteau. Ah.
joue pas au football américain, non. Hé, hey, du calme, mon bonhomme. Ça va aller. Tout va rentrer dans l'ordre. Oh, c'est chouette ta coiffure, dis donc. Si c'est vraiment Quincy Modo, qu'est-ce qu'il fait là? C'est drôle, je crois savoir comment ça s'est passé. Il a grandi dans cette maison. Il sonnait les cloches et il traînait dans le grenier. Ça alors? Donc il est revenu ici parce que c'est la seule chose dont il se souvenait. Ça veut dire que sa mémoire fonctionne toujours. Surprise! Oh non! Ne vous dérangez pas, c'est lui que nous sommes venus chercher. C'est gentil de l'avoir retrouvé pour vous. Vous n'êtes pas les bienvenus, venez les amis, attrapons-les. D'accord. Oh là là, est-ce que j'ai peur? Oh, le vase, comment ça fait mal. Et c'est drôle, je crois que l'eau coule dans la cuisine. Vous ne faites pas le poids. Jara, occupe-toi d'eux. Mais là, oh. Oh, une poupette. Oh, oh oui. Ah, là. Oh, bah non, alors. Ça y est, on a ce qu'on est venu chercher. Allons-nous-en. D'accord. Switch. Oh. Oh, oh, où est passée la bande des trois? Ils sont partis et ils ont enlevé Quincy. Et ne revenez pas, sinon vous aurez affaire à moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben, on s'amuse, mon grand. Pizza et limonade pour tout le monde. C'est ma tournée. J'ai jamais eu d'amis avant. Eh ben, maintenant, tu en as plein. C'est ça qui compte. On ne te laissera jamais tomber. Tu t'inquiètes plus. Bien joué, mon grand. Tu apprends drôlement vite, c'est bien, hein? Où sont-ils tous passés? Je parie que personne n'a très envie de rencontrer Quincy et ses trois monstres. Là, regardez. C'est ça, continue. Vous n'êtes qu'une bande de polieurs. Tiens, tiens, qui vois-je? Ce seraient pas nos amis les super-héros? Noxy, garde-toi. Tout de suite. Oh là là. Je vais vous régler votre compte une bonne fois pour toutes. Je reconnaîtrai ce son n'importe où. Les maniavores sont de sortie, les amis. Vous savez ce que ça veut dire? Beetle Commander. De bataille, Beetleborg. À nous. Scarabée bleu, au départ. Chasseur vert, au départ. Aigle rouge, au départ. Chaud. Je l'ai senti passer, celle-là. J'ai besoin de renfort, là. Où est le scarabée bleu? Je crois qu'il va essayer son nouveau module volant. Exact. J'arrive tout de suite, Roland. Voilà. Mais il est très maniable. Oh, je l'ai échappé belle. Courage, voilà la cavalerie. Plein dans le mille. Bam. Ouais, c'est beaucoup trop facile. Si on allait délivrer Quincy. Oh là là. Coucou. C'est nous. Ne partez pas, voyons. C'est nous. Ah, c'est humain.
Benjamin devrait participer au prochain marathon. Mon grand, je crois qu'on va devenir inséparables tous les quatre. Ne les écoute pas, Chris. Ces monstres ne sont pas tes amis. Pourquoi ? Écoute ce qu'il dit, je t'en supplie. T'es pas un monstre, t'es un être humain. Mais si je ne suis pas un monstre, pourquoi tous ceux que je rencontre ont toujours peur de moi ? Mais parce qu'ils te jugent selon ton apparence. Ils ont tort, mais tu ne fais qu'empirer les choses. On aimerait bien t'aider, mais on n'est pas sûr de savoir qui tu es. Lui, il le sait, c'est l'un des nôtres. Ouais. Allez, vas-y, mon grand, calme-toi. Allez, vas-y. Oui, c'est ça. Attends. Non. Alors on a perdu notre atout. Bon, bah je crois qu'on n'a pas intérêt à rester là. Allons les hommes. Le lâche. À la prochaine. Salut. Switch. Vous êtes prêts? Inversion. Tu vas bien? On s'est déjà vu dans le grenier. Salut, moi c'est Joe. Tu te rappelles ton nom ou qui tu es? C'est idiot comme question. Je suis Quincy Modo, ailier droit dans l'équipe de l'université. Mais où est mon maillot? Et mon casque? Où est mon casque? C'est plus la peine de cacher ton visage désormais, Quincy. Je trouve que t'es très mignon sans ton casque. Merci. J'ai pas l'habitude de parler à des gens qui ont pas peur. Moi. Mais au fait, où sommes-nous? Comment est-ce que j'ai atterri ici? Tout a commencé avec une bosse sur ta tête. Ah, oui, après. Tu te souviens quand on est monté dans le grenier, on a trouvé les cloches? Ouais, alors tu t'es mis en colère et t'as commencé à crier. Génial, Quincy a encore marqué. L'université de Notre-Dame a gagné le championnat. Vous savez, c'est la troisième année consécutive. Oui, on sait, Drew. Très bien, mise en jeu. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, tous à vos postes. À moi. Mais lance, qu'est-ce que tu attends? La course. Ça y est, je l'ai. Fente machin, tu triches. Premier point. Je l'ai. Pénalité, interdit de se servir de ses dents. Mais j'ai marqué. Tu veux mes lunettes? Allez, 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 Frankie. Allez, il attend le point d'orgue. Ça, c'est une obstruction. Retour au 50 yards. Je crois qu'ils veulent réinventer toutes les règles du football. Cher, sortez de terrain. Très bon joueur.